Et bonjour à tous, ici Victor, et on est samedi 31 janvier 2015, le jour où je vais devenir Prestige 1, à marquer d'une croix blanche dans ma carrière de Colovien. Donc je suis à quelques infimes points d'avoir le Prestige, j'ai joué un peu une heure et demie de cet après-midi, j'ai eu des bons kills, et bon, là maintenant on devrait devenir Prestige, je sais pas, alors on va essayer de attraper ça tranquillou, propre, hein. Je veux quelque chose de propre, hein. Un match à mort par équipe, quelque chose de propre, voilà, et tout va dépendre des cartes, je peux m'en aller, hein. Je peux m'en aller si j'estime que la carte n'est pas correcte, hein. Ou qu'il y a du reverse boost, et après suivra une vidéo pour raconter mon vécu, mon ressenti à l'obtention du Prestige 1. Depuis mon début le 9 novembre 2014. Instinct. Je suis très... Là, on est obligé de travailler à la balle. Ah, c'est à la balle, avec un silencieux. Bon, allez, on va y aller. Match à mort par équipe. Exo activé. Éliminez les ennemis. L'autre, déjà, il a pas des marques, il saute comme un cabri, déjà. Sur les falaises. Alors, fais voir. Je te dirai... Alright. C'est ça que je reproche à Call of. On peut pas se repositionner dans l'espace en appuyant sur une simple touche. On peut pas. On est coincé dans le décor, on sait plus où on est beurré. Quoi. Non, non. On a pris l'avantage. On n'est plus en tête. On a le contrôle. Non, le but de la manœuvre, c'est de ne pas me faire éliminer. Cool. C'est cool. C'est beau, hein, pour mon Prestige 1, c'est bon. Hein. Sauf que là, il n'y a pas bon. On a affaire à des noobies. Hein. Non, ils m'ont dégommé. Voilà, on admire. C'est bon pour mon Prestige 1. C'est vraiment honorable. 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 Pour moi, Noobie, c'est honorable. Très honorable. Parce qu'il y a des tas de mécanismes que j'ai pas mis en place
Parce qu'évidemment, je suis pas un kikou qui met les pieds sous la table. Qui rentre de l'école et qui met les pieds sous la table. Qui a pas de facture à payer, donc il n'y a pas de souci. Qui peut se concentrer sur son jeu. Et oui. Ça y fait tout ça. Ça y fait. Ça va tirer là. Il y a une saloperie de snipers dans les environs. Ça ne me plaît pas. Ah putain. Victor. Ah, la montée vers ça, on se croirait monter vers le Walhalla. Hein. N'importe quoi, allez, je fais du noobie là, allez. Sauf que là, il y a... C'est noobie, hein, je vous le dis, hein, l'ambiance. Ouais, ben on va gagner alors. Si tu le dis, c'est qu'on va gagner alors. Je dois recharger. Tir de suppression. Mais où, du con, tiens, à chaque fois tu nous fais la comédie là. Fais pas tirer comme un lapin, hein. Eh, c'est plus digne d'un jeu de... Ok, alright. Il est où ce putain de sniper? Il est où? Ouais, victoire. Bon boulot, Atlas. Ouais. Super, pour mon prestige. Hein. Oui. Ah, ouais. Ah, l'HBR. Cette bonne vieille HBR. Il a bien fumé. C'est honorable. Pour moi, c'est honorable. Toujours en bon. Allez, donne-moi le mon prestige. Et pourquoi je ne l'ai pas? Pourquoi j'arrive pas à prestige? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Et donc, pour finir, après le gameplay, où je dis que je suis devenu prestige, en fait je l'étais devenu déjà avant, au moins depuis 2 ou 3 parties. Donc on va faire un récapitulatif de carrière. Hein? Donc déjà, on va faire un récapitulatif. Ça, c'est global. Donc, il faut savoir, à l'élément comparatif, on ne peut comparer des valeurs que des valeurs comparables. Bien que ce jeu, j'arriverai pas à l'analyser complètement, n'étant pas un expert Call of, ils ont étalé les niveaux. Les niveaux ont été, diminués. Le seuil d'exigibilité peut-être, mais bon, il faut 15 niveaux. On peut pas dire par exemple que un prestige 1 de chez Advanced Warfare qui vaut 50 niveaux,
ça veut pas dire que ça vaut la moitié. En fait, ça ne vaut que 25 niveaux de Black Ops 2. Non. Ou de Ghost. Pourquoi? Parce que il y a la verticalité, l'exosquelette, la verticalité qui a été mise en jeu. Et c'est très complexe de pouvoir parer à tous ces points. Il y a donc la deux dimensions, largeur, longueur et la hauteur. Donc ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ça vient de partout, même des grands joueurs, des gros joueurs qui avant faisaient des massacres, même s'ils étaient en reverse boost, on va en parler après, sont un peu désappointés. Des gros joueurs qui faisaient la frime avec des gros jeux, des gros gameplay sur Black Ops 2. Allez nettoyer les mecs. Bon, alors donc c'est un élément comparable. Donc on prend Black Ops 2, où j'ai passé 25 mois sur Black Ops 2 avant de commencer à jouer à Advanced Warfare le 9 novembre. Donc moi je l'ai eu le 9 novembre parce que Amazon ayant eu un retard énorme et le livreur n'étant pas venu chez moi m'apporter le jeu, je me le suis acheté par téléchargement. Donc j'ai pas eu le jeu le lundi 4 novembre, comme tous les gens qui l'avaient précommandé sont allés le chercher en boutique, on l'a reçu par Amazon, Fnac et compagnie. Mais moi, je l'ai télécommandé, j'en ai eu marre, le vendredi soir 8, et j'ai commencé à y jouer l'après-midi du 9 novembre. Donc on est sur 2 semaines, 2 mois, 3 semaines. Donc on va prendre Black Ops 2 sur 25 mois, 182 kills, et Advanced Warfare 2 mois et 3 semaines, combien de kills? Je vous prie, 208 kills. Donc il y a une progression énorme. Et j'atteins le prestige 1. Bon, c'est pas avec beaucoup de kills. Bon, hein, je suis un noobie. Hein. Le ratio, on n'en parle pas. Hein. Bon. Alors, la carrière. Voilà la carrière. Donc, combien j'ai dû avaler de couleuvres pour arriver à ce niveau? Combien de fois j'ai dû me faire massacrer? C'est pas compliqué. Alors, attends. Là, je suis désappointé, il y a quelque chose qui me manque. Là. Chaque fois, il y a quelque chose qui me désappointe. Voilà, c'est là. Mort, je suis mort 6 000 fois. Vous voyez? Voilà, 6 014 fois. Donc j'ai dû subir pas 6 000 fois cette chose horrible que, entre guillemets, les gros gamers ne supportent pas. Pas plus d'une fois ou deux par gameplay encore. Ils ont les larmes aux yeux, ils ont la voix qui est géniarde, on dirait qu'ils vont appeler maman. Moi, j'ai dû le subir pendant 6 000 fois. J'ai avalé, j'ai ragé, pareil, j'ai mordu ma langue, j'ai continué, j'ai traversé. J'ai joué, donc, c'est où ça? Nombre de parties jouées, 445 parties pour arriver à ce niveau-là. Donc ça me fait un peu moins de 10 parties. Ça fait moins de 10 parties par niveau. Et ça fait à peu près 1 heure de jeu par niveau. Et c'est beaucoup pour moi, c'est une énorme progression par rapport à Black Ops 2. Ne parlons pas alors des MW3, des MW2, ne parlons pas du Call of Duty 2. Bon, où je. Bon, à part la carte Toujane qui me plaisait. Avec son côté exotique tunisien, avec ses, bon, ses palmiers. Bon, voilà. Donc après, on va aller voir. Alors, par rapport au mode de jeu, combien j'ai fait de victoires par mode de jeu, je vous le montre. Hein. Voilà. Voilà. Après, donc, les armes. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme arme? Combien je fais d'élimination par type d'arme? Donc, vous le voyez là. Je me demandais où étaient passés mes 200 kills. Parce que j'ai eu la manie de toucher à tout. Hein. Et voilà où sont passées mes différentes éliminations par arme. Et voilà, par arme.
Alors, après, là, c'est pareil. Donc, je vous le montre. Combien j'ai lancé de grenades avec combien de fois, combien à chaque catégorie d'exo. Après, donc, là c'est vite fait, n'est-ce pas, hein? Les séries de points, moi je ne suis pas fortiche. Hein? Si je fais 2 kills, 3 maximum, comme j'ai fait il n'y a pas longtemps sur Comeback. Pour moi c'est beaucoup. Hein? Pour moi c'est beaucoup. Bon, mes médailles, hein? Je vous montre mes médailles. Alors, est-ce qu'il faut... Non, non, on n'a pas besoin de déplacer vu qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, vous avez tout vu. Attendez, je fais doucement quand même. C'est quoi ça? J'y comprends plus rien. Attends, on va revenir. Voilà. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Hein. Voilà. Alors après. Voilà, c'est rapide à voir. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, hein, c'est du noobie, hein, mais c'est comme ça. Je suis quand même assez fier d'avoir atteint ce niveau-là. Le niveau de prestige. Voilà, voilà. Donc, il va y avoir une suite, là. Tout de suite après, dès que j'ai basculé en prestige. Attendez, on va aller voir. On va aller voir quand même quelque chose d'important. Hein? Comme quoi, je ne finançais pas mon arrivée à prestige, ou les 5 derniers niveaux qui ont été très... Les 10 derniers niveaux ont été très durs pour moi. Très durs, à cause du reverse boosting. Donc, voilà, j'ai collectionné les armes. Hein? Regardez, voyez. Je ne peux pas dire que j'ai financé mes 5 derniers niveaux avec des armes. Sauf quand j'étais obligé de... Parce que il y a encore... Quand on a la malle au butin, quand on a la malle du butin, il faut avoir de la place. Donc on est obligé. Alors je vendais des genouillères, des pantalons, des bottes ou des casques qui ne me plaisaient pas. Il suffit de vendre 2-3 éléments et on peut débloquer les coffres. Mais les armes, je les ai gardées. D'ailleurs on les voit, hein, toutes les armes sont là. Hein. Sauf qu'il y a des armes que j'ai vendues, je regrette. L'XMG, la mitrailleuse XMG, je crois, je ne sais pas, j'ai pas bien regardé, peut-être la MP11. Tout ça, c'est mon butin personnel, là, ce que vous voyez là, les casques, tout ça, je l'ai acheté en boutique. Voilà, tout ça, je l'ai acheté en boutique. Les camouflages et les exosquelettes des nations, les diverses nationalités, je les ai achetés. Bon, le gant bleu, bon, évidemment, je l'ai gagné. Il me plaît parce que ça fait très très science-fiction. Alors attends, qu'est-ce que je voudrais encore? Et puis bon, ma classe d'armes, alors mes classes d'armes de mes 5 derniers niveaux. Avec quoi j'ai joué? Donc avec ça. On voit tout, là on voit mes atouts, tout ça. Voilà, et ça n'a pas changé depuis au moins 10 niveaux, mes atouts, j'ai pas bougé. D'ailleurs, j'ai tort, hein, je vais revoir tout ça. Parce qu'en fait, je m'implique pas énormément à ces niveaux-là. Je joue d'abord, mon premier but était d'atteindre le prestige. Et croyez-moi, j'en ai bavé. Vous avez vu, 6000 morts, hein, pour arriver là. Hein. 445 parties. Faut le faire, hein. Faut le faire, hein. Et croyez-moi, la double expérience, je n'ai pas eu énormément. Je peux pas... Non, non. Je n'ai pas bénéficié pendant une semaine comme les gens au début de double expérience. J'ai bénéficié pratiquement rien que pendant un jour et demi de la double expérience au début. Je suis monté jusqu'au niveau 12, je crois, très rapidement en l'espace de 2 après-midi. Bon, écoutez, je vous fais la suite. Je vous fais la suite. À toutes. Donc, on va débloquer le niveau prestige. Alors, pour le débloquer, c'est pas automatique.
quand vous arrivez donc depuis le niveau 50, que vous avez rempli toute la barre, toute la jauge de points, vous dites « Merde, comment se fait-il, je bascule pas, il n'y a pas écrit, vous êtes promu prestige. » Non, non. 50 niveaux, c'est une unité spéciale qu'on appelle prestige 0 dans le langage courant des joueurs. Prestige 1, ça va être une unité spéciale de 50 niveaux. Et à chaque prestige, il faut recommencer la même procédure. Alors, je me contrôle pour voir si je suis enregistré. J'attends de voir si le recording... Ok, rec. Alors, donc, on va dans l'accueil. On se met sur opérateur. On cherche prestige. On ouvre prestige. Donc, hein, lisez le truc. Je n'aime pas l'emblème du prestige. On dirait, vous savez quoi? On dirait un pou. On irait grossi à 100 fois au microscope un pou. C'est pas très beau comme. C'est pas très beau. Donc, lisez, je vous laisse lire. Vous faites la barre d'espace. Plus d'infos. Donc, vous lisez. Donc, il faut choisir donc une récompense permanente. Alors moi j'ai déjà préparé ma récompense. Moi je ne la veux pas dans des armes que j'ai déjà ou que j'aurai facilement. Moi je vais la chercher dans les exo-lanceurs. Voilà. Je veux une jolie grenade. Voilà. Je prendrai une IEM qui sera débloquée en permanence. Et voilà. Alors après... Dernière chance, êtes-vous sûr de vouloir choisir ça? Bon. Accéder au mode prestige. Alors, est-ce qu'il y a de la musique? Je ne sais pas. Pa-pa-pa-pa. Voilà. On va en rester là. Alors, je vais brancher mon casque parce que là, je ne sais pas s'il y a eu du Larsen. Donc vous avez vu, j'ai galéré pendant, j'ai eu 6000 morts, je me suis fait éliminer, enfin mort, kill. En fait, ils ont interverti tout dans le langage des joueurs. Les kills, c'est les morts, nous-mêmes, quand on meurt. Élimination, je ne sais pas comment on dit. Bon bref, ils ont dit que les kills, c'était les éliminations, et que les morts, les kills, c'était des éliminations. Bon, ils ont inversé les. Je voudrais maintenant, on va rester là-dessus, donc, je voudrais parler du reverse boost, en abrégé RB. Si j'ai galéré comme ça, je dis pas que, parce que je suis un noobie, c'est sûr, bon, mais, l'emploi du reverse boost, à partir surtout de Noël, ça fait donc depuis pratiquement un mois et demi, a été terrifiant. Ça a commencé un tout petit peu avant Noël, où vraiment je stagnais dans mes niveaux. Je stagnais, j'y arrivais pas, j'avançais presque pas, c'était très décourageant. Je rageais beaucoup. Donc l'arrivée du reverse boost, qu'est-ce que ça occasionne, quel impact ça peut avoir sur les joueurs? Ce sont d'abord, il doit y avoir deux catégories de gens qui emploient le RB. Des gens qui sont des noobies, des nullards, des gens qui normalement en temps normal feraient quoi, allez, allons-y, soyons généreux, entre 9 et 14 kills dans des parties quand ils se défoncent, et ils veulent avoir plus pour refaire des performances, pour pouvoir impacter sur leur chaîne YouTube des gameplays. Avec de soi-disant ce qu'ils appellent des grosses séries de points, ou alors ils veulent faire de la DNA, de la bombe ADN. Hein, bon, qui, ils en oublient d'ailleurs d'employer leur score streak. ils sont qu'à faire du rush, bref. Donc, il y a deux catégories. Il y a les nullards, ils sont toujours quelque part. Bon. Et puis, il y a les puristes. Qui, quoi que ce soit, veulent toujours avoir des performances extrêmement hautes.
Et ça en arrive à un truc vraiment dément, rigolo, que deux parties adverses emploient chacune, pas tous, pas tous les joueurs de chaque équipe, dans les multijoueurs, ils emploient du RB. Ce qui fait que ça revient au même. C'est boosté, c'est cheaté. C'est cheaté, c'est un mode de jeu cheaté. Hein? Bon. Ce qui fait qu'il y a toujours un ou deux ou trois joueurs par équipe en multi qui emploient dans chaque équipe, qui emploient autant Atlas que Sentinel, qui emploient du reverse boost. Alors écoutez, voilà, je voulais aussi dire que le reverse boost, qui théoriquement on ne le sait pas trop, mais bon, le matchmaking, c'est-à-dire le fait de mettre en relation des joueurs à peu près de même ratio, de même niveau, même s'il a été corrigé, patché, de sources bien informées de gens qui sont vraiment de très, très gros joueurs, m'ont dit que ça avait été contourné. Il y a 10 jours, ça a été contourné. Et en fait, quand on regarde... moi, j'ai dans mes parties, au bout d'une minute, je sais si c'est reverse boost ou pas. Je sais s'il y a un reverse boosting dans la partie ou pas. Dans le camp adverse, on se fait... Bon, des gens comme moi se font éliminer toutes les 20 secondes. On ne reste pas en vie sur la map plus de 20 secondes. Donc, il y a du reverse boost. Alors, soit je suis de bonne humeur, je continue à jouer, soit je quitte. Je ne rage pas, je quitte parce que je n'ai pas à donner des séries de points à ce type. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, je ne me rappelle plus quelle map, au bout de 10 minutes, le type, il avait fait, en finale de partie, il avait fait le camp adverse, 71 kills à 13. 71 à 13. Reverse boost. Et il n'était pas bloqué à 50, comme le font certains, sur le PSN, sur la PlayStation 4. Ils arrivent comme moi, là je suis... ils arrivent de PN4 à... ils arrivent du grade 50 à Prestige 1, et hop, ça recommence. Plulup, et hop, ça recommence. À chaque partie, le code remet au niveau 50. Ce qui fait que les mecs, ils ont réellement des niveaux de Prestige 8, 10. Et ils massacrent des noobies. Et en plus, ils choisissent des accueils où il n'y a que des noobies, quoi. Des 20, des 12, des 40. Ils se régalent, quoi. Et alors ça a un impact sur la majorité de la communauté Call of, Advanced Warfare, ou Black Ops 2 même. Ce qui fait que ça démotive, quoi. Il y a des gens qui ont bradé, qui ont carrément vendu leur Advanced Warfare. Ça y est, c'est déjà vendu. Hein. On les retrouve sur Price Minister, sur eBay, c'est rapide. Hein. Ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre. Bon, alors... vous voyez, c'est marrant, hein, il y avait écrit Prestige 0, vous voyez, de la moustache jusqu'à Prestige 1. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne alors, si on quitte. Alors mes amis, je vais vous montrer mes amis rapidement. Il y en avait deux qui avaient un très bon niveau, qui étaient Prestige 2 sur Advanced Warfare, ils ont disparu. Ils ont disparu, je pense qu'ils ont vendu leur... ou alors ils ont changé de compte, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ou ils ont vendu leur... c'est des ados, ils ont vendu leur Advanced Warfare. Et voilà. Alors attends, Operator. Voilà. Me voilà donc devenu un cancrela Prestige 1, niveau 1. Voilà, le cancrela Victor Hugo. Donc Prestige 1. Donc j'ai rapidement parlé du reverse boost, mais c'est très démoralisant. C'est pour eux, c'est infamant, c'est hypocrite, faux cul, bâtard, fils de pute, menteur, manipulateur, magouilleur, c'est du magouille, hein. C'est de la bidouille, hein. C'est quoi du hack? C'est la bidouille, hein. C'est pas des professionnels, c'est pas des docteurs et des ingénieurs en informatique, hein. Ils sont pas nombreux, hein. Ils préfèrent aller vendre leurs services au gouvernement, hein. Donc c'est des bidouilleurs, truqueurs, tricheurs,
C'est des voleurs de niveau. C'est des retardateurs, ils empêchent de monter nos niveaux easy. C'est des fouteurs de main dans les parties, c'est des décourageurs. On peut mettre tous les adjectifs, toutes les étiquettes que vous voulez. C'est à bannir. Activision et Microsoft et Sony devraient trouver les moyens, d'une manière logicielle et physique, d'empêcher ces gens-là de sévir. Voilà, voilà donc mon petit niveau prestige que j'ai acquis à force de beaucoup de sang, 6000 fois. C'est pour montrer que quand on veut, on peut y arriver. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de l'arsenal? J'ai toujours mes 9 pages. Hein, toujours. Ils avaient dit qu'on gardait les armes. Hein, toujours. Et non, attends, il faut les débloquer du coup. Attends, comment ça se passe? C'est vrai? Oh putain. Au fin des chichourdes. Le bulldog, il faudra le débloquer. Ah ouais, d'accord. Attends, tu vas faire un truc. Par rareté. Bon. Bon. À s'amuser. Hein. Encore, j'ai gardé mon obsidienne. Ça va. J'avais peur de l'avoir perdu, l'obsidienne skill. Alors là, le casque, j'en ai rien à foutre de ne pas l'avoir perdu. Alors. Donc, je vous quitte. Attends, fais voir. Attends. Ils me l'ont foutu par défaut. Par défaut, ils m'ont remis ça. Voilà. Comme quand on démarre. Hein. La KF5. Tu vois ? Eh bien, je perds tous les accessoires. Hein. Il faut recommencer. Hein. Alors, il faut réfléchir, hein, si vous avez envie de crapahuter de nouveau. Vous n'êtes pas obligé de passer au prestige, hein, vous pouvez rester au niveau où vous êtes. Hein. Et vous pourrez plus, de toute façon, ça sera terminé, puisque vous évoluerez plus. Hein. Vous évoluerez plus, vous aurez des armes pour jouer, vous aurez des atouts, tout ça. Que vous aurez gagné, mais vous ne pourrez pas évoluer avec les... Et les armes que vous avez acquises, vous les garderez, et puis voilà. Là, c'est pareil, hein, la locomotive, j'appelle. Il va falloir de nouveau regagner ses galons. Hein. Donc, c'est vraiment le prestige, à dire médaille en chocolat. Hein. Bon. Alors, la balle 27, bien sûr, mais il n'y a aucun accessoire, donc ça va branler pas mal. Hein. C'est sûr que je vais pas faire un cadeau. Bon, et bien écoutez, je vous quitte. Hein, et bien voilà, je suis devenu prestigieux. Hein. Objectif atteint, mission accomplie, débriefing. Ciaouette, cacahuète, portez-vous bien. Oh.